nous allons à Cognac, c'est ça? Oui, Michel Roland m'a cordialement invité et tout pour présenter avec lui et avec d'autres personnes aussi des artistes dans le cadre de sa conférence de presse pour sa 26e édition. Michel, on se connaît depuis plus de 25 ans. Pour moi, ça reste mon mentor. C'est la référence au niveau national. Ils font à peu près entre 25 000 et 30 000 entrées tous les ans. On est sur une période estivale. L'endroit est magnifique. Et voilà. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de venir chez Michel. J'étais jaloux de ses affiches. Des fois, c'est des affiches. Moi, j'aimerais bien les avoir fait avant lui, sauf qu'il les a fait avant moi. Donc, je suis hyper respectueux et j'adore son événement. Et que je peux dire, pour tenir un événement comme il le tient, je connais ses problèmes, je connais les problématiques qu'il a eues. Et là, je peux vous dire que, franchement, je ne connais pas beaucoup de mecs qui ont le courage qu'il peut avoir pour amener ce festival où il en est aujourd'hui. Donc voilà, je suis fier de ça et je suis fier d'être son ami. Elle fait tourner Alexis Evans, avec Guy Robert. Alors elle s'occupe du catering, des loges et tout sur les scènes de Cognac, de Blues Passion. Et on s'occupe de Laurent, voilà. Qui vient nous voir. Et elles vont être bénévoles en mars 2020 pour les 25 ans, je compte sur vous. C'est promis. Et c'est filmé, c'est dans la boîte. Voilà. It's his fault for bringing me to Blues Artist de 5. The first show in France. And now I'm going to move to France because of him. Thank you. Sure. Yes, yes, yes. Welcome. Hey, hey. All right. So are you moving to France too? One step at a time. Yeah. I'm gonna let Kaz find the right place and then I'll come along. Yeah, Bah écoute, je me suis ressourcé, en plus là je suis chez Michel, etc. C'est quelqu'un de bienveillant, je me sens bien, je suis détendu, donc écoute, l'édition ça a été un cru exceptionnel. On a eu une aventure, que ce soit avec Yarol, Minuit, Kim Emerose, etc. Non, la soirée blues au féminin. Pédagogique, puisqu'on avait fait venir cette année un jeune artiste écossais, Callum Ingram, quelqu'un qui joue du violoncelle. J'avais vachement d'appréhension par rapport au collège. On a fait ça pendant 9 jours, plus de 23 concerts. Et je tenais vraiment à remercier aussi l'équipe de bénévoles, c'est-à-dire Rachid, Séverine et Laurent. Ils ont fait un travail exceptionnel et ça a vraiment cartonné dans les collèges. C'était vraiment une très très belle édition à tous les niveaux. Et cette année, il y a une nouvelle présentatrice en fait avant les concerts. Elle s'appelle Kylie, elle est australienne, elle a un petit accent, il y a un petit côté un peu exotique, etc. Et elle irradie les gens sur scène, elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment une très très belle recrue. Non. Bah, ça tombe bien, on l'a interviewée, on va voir ça tout de suite. Ça marche. Donc c'était la première année bénévole au Blues Autour du Zinc. Tu t'es fait mon premier année, quelle année hein? Donc tu accompagnes les artistes, etc. Mais je t'ai vu faire des présentations. Oui, en fait, le premier soir que j'ai fait du bénévolat, il y a Laurent qui me dit « Carly, on a besoin que tu présentes ». Et je dis « Ah bon, ok, allez, on y va ». J'ai présenté, apparemment mon accent a plu, donc du coup il m'a posé la question plein de fois et je l'ai fait plusieurs fois. Tu connaissais le blues avant ? Je connaissais le blues, mais comme ça. Si vous voulez, je n'avais jamais participé à une soirée. Si, ça je mens, parce qu'en fait l'année dernière, j'étais invitée à la soirée Le Blues au Féminin. Et c'est là où j'ai découvert le blues et c'est là où j'ai rencontré Laurent Massimba, qui me demandait si ça m'intéressait d'être bénévole. Et comme j'ai passé une super soirée, je me suis dit oui. Jusqu'ici, quel a été ton coup de cœur ? J'ai eu plusieurs coups de cœur. Là où j'ai dansé le plus, c'était peut-être Michelle David, un peu de gospel. C'était vraiment une soirée dans un petit théâtre très sympa. Hier soir, au Crédit Agricole, c'était vraiment une soirée avec trois groupes complètement différents. C'était vraiment super.
Est-ce que vous pourriez, pour les internautes, lâcher quelque chose, voilà, un scoop pour Base Express? Alors, c'est-à-dire que cette année, j'ai eu deux coups de cœur. On a eu Sparking in the Cloud et Michel David dans The Gospel. Donc, c'est certainement les deux artistes que je vais faire revenir et tout en mars 2020 pour les 25 ans. Je ne sais pas exactement où je vais les mettre, comment, etc. Mais ça a été vraiment une révélation cette année chez nous, dans le cadre du festival. Depuis un petit moment quand même. 10 ans. Bah à peu près tous les ans, ouais. Moi, c'est la première fois. Et moi, c'est la 20e fois. C'est la première fois, ouais, pareil. Je ne saurais pas dire que depuis quand je viens, mais je viens pratiquement tous les ans, ouais. Ça fait 24 ans à peu près. Vous êtes venu voir un groupe en particulier ce soir? Masto, c'est Masto. Les Spitfire. C'est super sympa. Le plus beau tour du Zag. 2019, 4e édition. Bon papa. Très bien. Exceptionnel. Rock'n'roll. Génial, ouais, oui. Parfait. Du bonheur. Génial. Très bien. C'est extra. Super. Ça fait des années. Des années. Depuis que je suis née, je crois. Mes parents m'emmenaient déjà, ouais. Ah non, c'est la première fois que je viens, je suis pas d'ici. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. 24 ans. Allez, à l'année prochaine. Salut les gars. Merci au blues. Woo!